Et amis abonnés, bonjour, merci de nous retrouver en direct du stade de Copé à Vevey. Aujourd'hui, pour ce plateau spécial Vevey Sport 1899, on a deux grands personnages. Tout d'abord, le légendaire Paul Garbani, ainsi que l'homme qu'on ne présente plus en la personne de William von Stöckalper, président du FC Vevey Sport 1899. Tout d'abord, bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on va débuter cette interview avec monsieur Paul Garbani. Alors tout d'abord, Paul, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos plus jeunes spectateurs qui ne vous connaissent pas forcément ? Ah ben, c'est un peu difficile de me présenter, mais enfin j'ai passé 8 belles années à Vevey en tant qu'entraîneur. J'en ai gardé, d'ailleurs je suis encore un petit peu ému quand j'arrive dans le stade. Et je pense que Vevey va gagner encore ce soir. Alors, joli pronostic déjà pour cette première question. Et puis, alors, qu'est-ce que ça représente le FC Vevey Sport pour vous, comme vous avez évolué pendant 8 ans ici, qu'est-ce que ça représente ? En plus de les joueurs, il y avait beaucoup de joueurs qui habitaient Vevey, qui étaient même de Vevey. Et en plus de ça, on a battu toutes les plus grandes équipes suisses une fois quand même à Vevey. Un public qui était très passionné, mais surtout une très grande amitié entre nous. Et donc toutes ces victoires, on le rappelle, en Ligue Nationale A. Hein. Ben oui, d'abord on est monté, après 2 ans je suis monté en Ligue Nationale A, puis pour ne plus quitter, j'ai fait 7 ans de Ligue A avec Vevey. Et puis alors, quel est votre meilleur souvenir ou vos meilleurs souvenirs avec cette équipe du FC Vevey Sport ? Ben pour ça, c'est assez difficile à dire parce que des bons souvenirs, il y en a eu tellement. Mais peut-être le numéro un, ce qui m'a le plus touché, c'est la chaleur humaine que j'ai ressentie pendant ces nombreuses années. S'il y a un souvenir que vous devriez garder avec ce FC Vevey Sport au niveau sportif, lequel ce serait ? Ben disons qu'en tant que Genevois, c'était de battre Servette. Alors comme c'était un tout grand Servette à l'époque, de battre Servette avec Vevey Sport, je suis resté 2 jours sans retrouver ma voiture, mais ça n'avait pas une très grande importance. Et puis donc, vous nous avez presque promis une victoire du FC Vevey Sport ici face au FC Fribourg tout à l'heure. Sur quel score alors ? On va approfondir le pronostic. Quel score vous donnez pour ce match ? Alors, évidemment que ça fera un immense plaisir, mais je pense que 1-0, ça sera le résultat final. Alors 1-0, le pronostic est pris. Merci beaucoup Paul Garbani d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis maintenant, place à William von Stöckalper. Alors William, on le sait, premier match de la saison 2017-2018 ici au stade de Copé. Il y a eu quelques petits soucis au niveau de la pelouse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? D'abord, quel était ce souci ? Et puis, est-ce que l'état de la pelouse actuellement vous satisfait ? Alors, faire un bref résumé sur la pelouse, c'était un gazon mixte qui avait été installé il y a maintenant 5 ans, donc synthétique dessous avec une couche de mélange de sable et autres et gazon, qui a rencontré des problèmes après 2 ans parce que les produits qui étaient utilisés, on m'a parlé de coques de coco et autres qui étaient assemblées tout dessous, bien ça commençait à se boucher, puis le terrain ne drainait plus. Donc on avait des grosses flaques d'eau, des grosses mottes qui s'arrachaient, et ça a tenu quelques années, mais après ça devenait très compliqué. Et donc il a fallu attendre un crédit au niveau de la ville de Vevey pour pouvoir changer ce terrain, parce que c'est quand même des investissements énormes. C'est pas une réfection à neuf du terrain complète, bien évidemment, ce qu'on garde de synthétique, mais on a refait toute la couche supérieure de Copé 1, et c'est la société Real Sport, d'ailleurs son directeur va venir au match aujourd'hui, qui s'est occupé de ces travaux-là, et en même temps on a remplacé le synthétique de Copé 2 qui avait 14 ans par la même surface synthétique qu'on a au stade de la Maladière, donc le top du top. Une autre spécificité ici au stade de Copé, c'est ce fameux écran géant que peu de clubs ont. Quelle est la plus-value en fait pour vous avec cet écran ? On rappelle qu'il permet par exemple, lorsque des matchs sont filmés, de voir des ralentis en direct. Déjà, c'est très sympa pour les supporters, mais au niveau sportif et événementiel, quelle est la plus-value pour le FC Vevey Sport d'avoir un tel écran ? Alors tout d'abord, c'est bien que vous me posiez la question, parce qu'on peut mettre les choses aussi claires par rapport à tout ce que j'entends dans d'autres clubs. C'est bien sûr par ma société que j'ai mis à disposition ces supports du Vevey Sport. Donc non, ce n'est pas Nestlé qui finance nos écrans, qui rend le club riche ou autre. Ça, c'est un peu les rumeurs qu'on a depuis, je pense, déjà les années de Paul. Donc voilà, on se débrouille tout seul. Et justement, comme on doit se débrouiller tout seul
un tel outil peut vraiment nous amener beaucoup au niveau de l'image, tout simplement parce qu'on sait que le foot reste une passion et un don, souvent par les entreprises et entrepreneurs. Et nous, on a voulu mélanger le côté passionnel du cœur avec le côté marketing, vraiment avec de la visibilité. Et grâce aussi à vous, Footmag et autres, comme on peut mettre des ralentis, voir les matchs, c'est du confort au public et une visibilité vraiment garantie pour les marques, les sponsors. Donc vraiment un bel outil à posséder. Bien évidemment, pas tout le monde peut se permettre d'en acheter, mais nous, c'était l'occasion rêvée. Et puis, je pense que ça nous a permis de doubler notre budget du club. Alors justement, en tant que président, vous êtes sûrement au fait des chiffres. Est-ce que depuis l'arrivée de cet écran, au niveau du sponsoring, au niveau financier, il y a eu une nette amélioration ? Est-ce qu'il y a eu une nette différence, justement ? Oui, alors franchement, oui, parce que bon, il y a le complément de la ligne LED aussi, donc on a une petite ligne de 20 mètres parce que les coûts sont vraiment importants. Mais disons que le mix entre publicité, ligne LED et écran fait que pour les gens, c'est vraiment très intéressant. Et nous, je peux dire, en maintenant 3 ans qu'on a installé ces supports-là, bon, il faut regarder les ligues dans lesquelles on évolue aussi, mais on a tout simplement doublé la première année de budget, quasiment triplé depuis le budget de la première année. Donc c'est vraiment un gros plus. Pour donner un exemple récent, avec un sponsor jeudi qui était au stade, on a regardé un petit peu tout, je lui ai présenté notre maquette. Il m'a dit « Ah non, moi les tôles, c'est bon, on en fait depuis 100 ans, maintenant moi je veux quelque chose de moderne, donc je vous prends tout ce qu'il y a sur l'électronique. » Donc vous voyez, c'est quand même le petit côté sympa, et puis c'est vrai que c'est valorisant, tout ce qui est lumineux est valorisant, vous le savez très bien, parce que vous passez par du digital pour mettre en avant votre société. Et puis alors, passons maintenant sur le plan sportif. On le rappelle, premier match aujourd'hui donc à Copé suite à cette rénovation de la pelouse. Vous avez donc dû jouer tous vos matchs à l'extérieur. Pour l'instant, le bilan c'est 11 points en 8 rencontres. Est-ce que c'est un bilan satisfaisant pour vous, hein ? On rappelle que donc ces 8 rencontres ont été jouées toutes à l'extérieur. Alors disons qu'on se verra à la fin de la saison pour dire que c'était un bon bilan des bons matchs à l'extérieur, mais c'est vrai que je me suis amusé avec mon coach à faire un classement des matchs à l'extérieur. On est pas mal pour les matchs à l'extérieur. Donc certains me diront on se rassure avec ce qu'on peut. Moi j'ai donné 3 objectifs à mes joueurs en début de saison. 2 objectifs qui n'ont rien à voir avec le sportif, mais des objectifs du cœur, parce que comme le disait Paul, quand on joue à Vevey, c'est une famille et on donne des objectifs familiaux. Et le dernier objectif que je garderai pour moi pour l'instant, je vous le dirai, je ferai un petit clin d'œil si on fait une bonne saison là-dessus. Et le troisième objectif, c'était vraiment de faire de Vevey une forteresse imprenable. Donc une forteresse peut faire des nuls, hein, on peut être plusieurs jours à faire un siège et pas réussir à passer à rentrer dans le château, mais le but c'est vraiment maintenant, c'est une chance pour moi qu'un joueur évolue à Vevey. Il n'y a qu'à voir tous ceux qui viennent, comme les joueurs de Fribourg aujourd'hui font des photos, ils filment, ils disent ouais, c'est quand même un joli petit stade, il y en a, c'est des clubs qui ont une belle histoire, qui disposent de belles infrastructures, et maintenant pour moi, quand on est Veveyzan, quand on a ce maillot, on joue en Copé, on ne doit rien voir d'autre que la gagne, quoi. Et puis après vous savez, si on donne tout et on ne gagne pas, on sera satisfait quand même, le but c'est ce qu'on monte sur le terrain. Alors une dernière question, on va vous faire jouer aussi au jeu des pronostics, tout comme Monsieur Garbani. Donc pour Monsieur Garbani, c'est 1-0 pour le Vevey Sport ce soir face au FC Fribourg. Qu'en est-il de votre côté, Monsieur von Stekalper ? Alors moi je dirais, j'aime bien le petit 1 parce que si on a un but de plus, on sait qu'on gagne. Donc moi j'estime qu'un match comme ça, c'est des jeunes en face, on sait comment il faut jouer. Eux, leur entraîneur a suivi le club longtemps, donc il sait très bien comment on joue aussi, ça va être très tendu. Mais c'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre très vite. Mais moi je vois pas mal de goals, pas seulement de goals, puis je me dis une victoire veveyzane, peut-être un 3-1, voilà. Merci William, et puis on vous retrouvera donc après le match pour le débrief de cette première rencontre de la saison en Copé, pour débriefer puis voir qui de vous, de Monsieur Garbani, aura été le plus proche au jeu des probabilités. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, ce fut un grand honneur de vous avoir sur notre plateforme Footmag pour ce plateau spécial Vevey Sport 1899, on le rappelle. Un petit mot de la fin ? Une belle victoire veveyzane sur ce beau terrain. Exactement. Très bien, merci beaucoup messieurs. Et suite à ce bel entretien entre William von Stekalper et Paul Garbani, voici le coup d'envoi de ce premier match de la saison ici au stade de Copé à Vevey. On rappelle, pour des problèmes de pelouse, les Veveyzans qui ont dû jouer à l'extérieur les 8 premières rencontres. Et voici donc cette première rencontre de la saison 2017-2018 dans leur stade.
et qui accueille en plus le leader de ce championnat de Première Ligue, le FC Fribourg, qui évolue bien évidemment en noir. De Gabriele pour Protopapa. Gabriele qui prend le couloir droit, ce qui permet à Protopapa de repiquer dans l'axe. Protopapa qui s'appuie sur Caillé-O. Attention à cette possibilité. Souni qui peut trouver Bardil Ajdini qui a tenté le centre. C'était un petit peu long comme centre du numéro 19. Bouzena, ouais, c'est bien fait. Bouzena sur le côté gauche. Bouzena qui va repiquer dans l'axe. Oh, le tac de Pozluzny qui vient stopper la montée de l'attaquant fribourgeois. Attention parce que ça va revenir avec Machado. Et Machado lui aussi est stoppé par l'arrière-garde Bevezan, mais pas très bien. Oh, superbe. La possibilité, attention pour Rodriguez. La frappe, ça passe au-dessus. Et début de Cédric Timmerman. Alors c'était pas Rio, c'était Souni. Attention, il y a Quintero qui est parti le long. Il est repris finalement par Ajdini. Oh, superbe encore une fois avec le centre de Nucera. Oh, pour la tête de Nader Bouzena. Et ça, c'est pas passé loin du tout. Et encore une fois, Jonathan Quintero qui nous gratifie d'une superbe talonnade. Quintero. Et Quintero qui finit à terre. Pas d'intervention de l'arbitre de cette partie. Attention parce que là il y a une possibilité de 2 contre 2 avec Jonathan Caillero. Jonathan Caillero qui se met sur son pied droit. La frappe de Caillero. Ah, il a un petit peu manqué son affaire là. C'était un petit peu téléphoné. Ce que vient de faire le numéro 9 Vauvaison. Brian Rodriguez, encore une fois, c'est bien frappé. Attention à ce ballon, superbe. Oh, la claquette de Cédric Timmerman qui vient détourner ce ballon et qui empêche donc l'ouverture du score fribourgeoise, mais qui concède un nouveau corner. Effectivement, vous le disiez, il les tire extrêmement bien. Brian Rodriguez, il va falloir faire attention. Hein, ces ballons, ils tombent exactement là où il faut, dans les 16 mètres. C'est assez compliqué à défendre. Nouvelle chance pour Rodriguez. C'est frappé un petit peu extérieur. Et cette fois, peut-être partir de l'autre côté avec Gabriele. Il a Protopapa devant lui. Il y a Caillero aussi de l'autre côté. Et la montée de Nabil Souni, c'est pour lui ce ballon-là, pour Souni. Souni en bonne position. La frappe pied droit de Souni avec l'arrêt de Freiburgaus. Protopapa. La frappe pied gauche de Protopapa, ça passe à côté. Quelle opportunité. Quelle grosse, grosse occasion là. Juste avant le coup de sifflet de M. Marcus Schelb qui met un terme à cette première période. Grosse, grosse opportunité avec ce super barré de Freiburgas sur la première frappe de Souni. Et finalement, Stefano Protopapa qui n'arrive pas à cadrer. On en reste donc à 0 Souni. À 0. À 35 mètres, début adverse. Il y a beaucoup de monde dans les 16 mètres. Nabil Souni avec le ballon sur la tête de Chipri Morina. Et me semble-t-il que ce cuir, il est stoppé par le pied de Mattia Lovato qui se trouvait par là. Ça permet la récupération fribourgeoise. Et ça va repartir rapidement avec Bamele qui allonge pour Efendic. Ouais, Efendic, c'est super, mais il a réussi à éviter le retour de Lovato. Et finalement, l'ouverture du score donc pour le FC Fribourg, pour l'immense joie d'Ismaël Djellid. Et donc cette réussite du numéro 19, Simão Machado, qui inscrit là sa deuxième réussite de la saison. Dans la boîte, comme on dit. Alors, Réo qui lève ce ballon avec la tête finalement, Vevezan. Pas de souci pour Sneo Freiburgaus qui peut se coucher sur ce cuir. Le côté gauche s'appuie sur Okmata. Okmata en pivot pour Dabo. Dabo, là encore, il n'a pas beaucoup de solutions. Le 1-2 finalement avec Andy Okmata. Et la tentative de frappe de Dabo. Et finalement, ça passe moins loin que ce qu'on pensait. Début de Sneo Freiburgaus. En plus de ça, il a Msabeg. Et qui, lui, vient du FC Bulle. Et attention, parce qu'il y a eu une bonne récupération de Moussa. On a trouvé finalement Rodriguez qui est dans les 16 mètres. Rodriguez avec l'extérieur du pied, l'arrêt de Cédric Timmerman. Super barré sur cette magnifique frappe de Rodriguez. Ah, il s'en veut, Brian Rodriguez. Et Moussa qui fait bien obstruction là avec son corps. Oh, superbe, il est passé avec un rebond favorable. Il peut finalement trouver Cherezo. Oh, Cherezo qui se défait de la défense. La frappe croisée de Cherezo. Un petit peu trop croisée, cette frappe du numéro 7. Mais alors, il s'est défait de la défense Vevezan d'une facilité, le numéro 7. Du pressing de Ndarun Gendamuo. Et attention à cette possibilité. Le centre au second poteau. Dabo qui va se battre, qui va empêcher le ballon de sortir. Le centre en retrait pour Gabriele. Hop, là du pied de Gabriele. Et ça fuit encore une fois le cadre de Sleo Freiburgaus. Alors effectivement, sur le peu d'action qu'il y a de part et d'autre, les Fribourgeois se sont quand même montrés plus réalistes que les Vauvaisans pour l'instant. Il a Machado sur le côté gauche, c'est justement pour lui. Simão Machado, le buteur qui prend le côté gauche. Machado qui est stoppé par Jérémy Pozluzny. Et Monsieur Marcus Schelb qui indique le point de pénalty. Efendic face à Timmerman.
Timmermans, il a fait deux grands arrêts aujourd'hui. Efendic qui s'élance. Oh, Timmermans qui sort le ballon. On l'a sentait parce que si on a vraiment qui est dans son match aujourd'hui, c'est bien Cédric Timmermans. C'est Chyprim Morin hein, qui tente de faire comprendre à Monsieur Schelp que là ils sont en train de perdre du temps. Et attention à hein, cette déviation avec un ballon qui va finir dans les 16 mètres. Le tac finalement. Attention, la mauvaise sortie de Freiburghaus finalement. Il y a intervention de Monsieur Marcus Schelp pour une faute sur le portier fribourgeois. Ça semble sévère, ça aussi. Ça semble sévère. Et attention, il va y avoir un carton jaune. Carton jaune pour, me semble-t-il, Roberto Elefante. Alors aujourd'hui, au niveau des avertissements, ça aurait été difficile de comprendre à qui M. Marcus Schelp les adressait. Donc, le coup de sifflet de M. Marcus Schelp semble un petit peu sévère. Et attention à ce ballon qui va venir finalement être dégagé par Cédric Timmermans. Ouais, parce que c'était Mehdi Benadouche hein, qui était là. Et finalement, Monsieur Marcus Schelp qui met un terme à cette rencontre, qui voit le leader FC Fribourg venir s'imposer ici au stade de Copé à Vevey face à une équipe veveyzane qui jouait pour la première fois de la saison dans son antre et qui, malheureusement pour elle, n'a pas réussi à s'imposer. Je suis juste déçu. Parce qu'on a perdu, je veux dire, on gagne en équipe et puis on perd en équipe. Et puis aujourd'hui, on a perdu et puis je me mets complètement là-dedans. Je veux dire, on a perdu et puis point barre, fini. Il y a pas moi ou un autre, non. On est une équipe, on gagne en équipe et puis on perd en équipe, voilà. Quand on perd, on n'est jamais satisfait. Je crois que sur ce match-là, on peut faire une parité comme on peut gagner. Ça ne joue à pas grand-chose. Aujourd'hui, les détails, ils n'étaient pas pour nous. Justement, ces détails, qu'est-ce qui leur a manqué pour passer l'épaule dans un match qui a été très, très dur avec quand même beaucoup de déchets techniques des deux côtés. Qu'est-ce qui leur a manqué aujourd'hui au FC Vevey Sport pour venir faire le point ou les trois points dans ce stade de Copé pour le premier match 2017-2018? Je pense qu'il nous a manqué un peu de réussite. On s'est quand même bien tous battus, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Après, à quelques actions près, on peut ouvrir le score ou pas, mais peut-être qu'on manquait un peu de tranchant offensivement. Je dirais que c'est ça qui nous a fait défaut aujourd'hui. Au niveau comptable, on peut être que satisfait. C'est vrai qu'on a perdu 3 points la semaine passée à la maison, donc on avait à cœur d'essayer de venir les récupérer aujourd'hui. On savait que ça allait être un match difficile. VV a une bonne équipe offensivement, ils sont très costauds. Et puis, sur le point de vue comptable, on peut être que satisfait. Et puis au niveau des actions, alors c'est un match où on n'aura pas vu énormément d'actions. On a l'impression qu'il y a eu un petit peu le même nombre d'actions de part et d'autre. Par contre, c'est vous qui avez réussi à passer l'épaule. Est-ce que c'est le réalisme qui a fait la différence aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a eu vraiment deux blocs défensifs bien solides. Et puis c'était à mon avis la première équipe qui marquait allait quand même avoir un gros avantage. Nous, on a pu faire la différence. Après, on a été solide défensivement. On rate encore un pénalty qui met un peu de stress sur la fin du match. Mais je pense que voilà, comme j'ai dit, c'était l'équipe qui marque en premier qui allait avoir le gros avantage. Et on retrouve donc William von Stöckalper pour le débrief de cette première rencontre de la saison à domicile. Défaite sur la plus petite démarche, William. Alors, vous nous aviez promis beaucoup de buts aujourd'hui. Malheureusement, on n'en a pas eu. Et puis, malheureusement pour vous, il n'y a pas eu la victoire du FC Vevey Sport ce soir. Comment est-ce que vous analysez ce match de l'extérieur? Premier sentiment, c'est forcément de la déception. Parce qu'on joue chez nous. Puis, ça fait longtemps qu'on n'a plus gagné chez nous. Il y avait du monde qui est venu ce soir. Tous nos sponsors pratiquement du club, on avait le droit à voir la syndic de Vevey et de municipaux. Donc je les remercie pour leur présence et je m'excuse qu'on n'ait pas porté plus haut et avec plus de fierté le maillot veveyzan. Après l'analyse du match, je veux dire, ils ont très bien joué Fribourg, ils étaient bien en place. Ils ont marqué sur un très joli goal en contre. Nous, de notre côté, on a loupé en tout cas deux montagnes. On les verra sur les ralentis. Ma foi, on en met deux, on est à 2-1. Ça va vite, hein. Ils n'ont pas eu non plus 50 occasions, mais ils ont très bien joué le coup, ils n'ont rien volé. Dans le foot, quand on gagne, on ne vole jamais rien. Oui, alors comme vous dites, effectivement, plus de réalisme hein, côté fribourgeois ce soir. Par contre, au niveau du cœur, on a en tout cas l'impression, nous, que les Veveyzans étaient concernés par ce match. Et mec, c'est plutôt au niveau technique que ça s'est joué aujourd'hui. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez aussi? C'est-à-dire que la volonté était présente, après c'est les pieds qui n'ont pas suivi le cœur aujourd'hui? Bon, je dirais que le coach a joué aussi une carte un peu particulière en mettant un joueur comme Marco Gabriele en 10 qui n'a pas l'habitude de jouer mais qui a sorti son match, qui a fait ce qu'il pouvait.
Voilà, je veux dire, le cœur y est, parce que je crois qu'aucun de mes joueurs ne se bat pas pour le maillot. Par contre, c'est vrai que quand on joue contre une équipe bien en place, on peut essayer tout ce qu'on veut, ça n'a pas passé. J'aurais voulu peut-être un peu plus d'allant offensif plus tôt, mais c'est comme ça, c'est le football. Hein, donc on peut refaire le match 50 fois, puis on est tous promus et on gagne tous la coupe. Quoi. Et puis alors, malgré cette défaite, est-ce que le premier match de la saison à domicile s'est déroulé comme vous le désiriez au niveau infrastructure, etc. Est-ce que tout a été réussi? Alors, je pense qu'au niveau de l'accueil, au niveau de la sécurité, le confort des gens et tout ce qu'on fait vraiment pour nos sponsors, oui. J'ai la chance d'avoir des gens formidables qui se donnent au maximum pour le club. Alors, ils ne peuvent pas mettre le maillot et jouer. Parfois, on aimerait bien qu'un ou deux, ils ont un tel élan, un tel cœur, puissent le faire. Mais je suis satisfait sur tout ce qui a été mis. Je pense qu'il y a peu de stades qui ont ça. Maintenant, ce n'est pas tout. C'est un confort qu'on offre à nos joueurs, à nos spectateurs, qui est très important. Maintenant, on a grillé notre joker à domicile. Et puis, il va falloir, c'est qu'à l'équipe de réagir, en fait.